Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour vous donner des nouvelles de fin 2019, début 2020. On va commencer par mon canari Suzuki, qui est malheureusement décédé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Donc je l'ai retrouvé au fond de sa cage. Je pense fortement qu'il est décédé de vieillesse parce que je l'avais depuis 2012. Ensuite, du côté de mes mandarins, ils vont tous les deux super bien. Donc prince et princesse se portent à merveille. Ils m'ont fait leur première nichée. Alors il y a que un petit qui est né, mais qui est vraiment magnifique. Donc le petit est brun panaché. Bon, à l'heure actuelle, il est déjà sevré. Et je pense que c'est un mâle, mais je ne suis pas sûre puisque c'est la première fois que j'ai une repro mandarin. Ensuite, mes inséparables, Chamallow et Guimauve, vont super bien. Rien à signaler chez eux. Les perruchons du lait aussi vont bien. Donc là, on voit Indigo. Là, c'est Sky. Ensuite, vous avez Lizzie, Maddie, Blue, Soho. Donc, on m'a dit, c'est une petite femelle albinos qui est née chez moi. C'est la première fille d'Indigo et de Plume. Et donc, du coup, sa famille m'a demandé si je pouvais la récupérer pour... une raison que je ne citerai pas. Et donc du coup j'ai accepté. Donc la revoilà parmi nous. Et elle restera chez moi. Voilà. J'ai mis quelques petites photos. Et j'ai une nouvelle espèce qui sont les calopsites. Donc je vous présente Snow et Tao. Alors il faut savoir que Tao, je l'ai récupéré chez quelqu'un qui l'avait trouvé. Il a été abandonné dehors pendant les grandes vacances. Et là c'est Snow, le copain que je lui ai pris. Ensuite, pour ceux que ça intéresse, Odin et Ficelle, mes deux lapins, se portent à merveille. Et attention, j'ai adopté un chat. Voilà un petit chaton du nom de Pika qui a 5 mois qui s'entend à merveille avec les oiseaux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et à vous abonner. Ciao !